Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de nos découvertes pioupiuesques de ces sept derniers jours. J'aime cet adjectif. C'est toi qui l'as inventé, hein. tu devrais déposer la marque. Mais oui! Comment ça va Sophie Écoute, euh, tout va bien. Euh, là, je suis contente du coup, comme on a dit la semaine dernière. J'ai un jardin, j'ai des tas de piou-piou dedans et euh, rien ne pourrait me rendre plus heureuse que de pouvoir les photographier le matin. Donc j'espère pouvoir poster des photos euh, bientôt sur Twitter et sur Insta. Ah, fantastique, voilà. Fantastique. on suivra ça bien évidemment avec euh, grand intérêt. @leplumeux, le plumeux, si vous voulez suivre euh, Sophie sur, euh, sur Twitter. Puis tu as un Instagram aussi, on n'en parle pas parce que... Oui, euh, bah, c'est plus personnel. Moi, je je suis n'est pas, mais, mais du coup tu as aussi un Instagram où tu publies, tu publies aussi des, des, photos, de temps, de temps, des photos. des photos. Des photos. Voilà. voilà, et de tas d'autres trucs intéressants. Quel est-il d'ailleurs cet Instagram euh, bah, C'est aussi le plumeux, euh, normalement. Le plumeux. Ok, mmh. très bien. Alors le plumeux nous parle de quoi aujourd'hui <laughs> eh bien aujourd'hui j'avais envie de faire dans le alors pas dans, dans le très exotique hein. euh, la, la semaine dernière on était parti vraiment un peu loin mais aujourd'hui j'ai envie de rester par chez nous et de vous parler de la poule incroyable voilà et moi je vais au contraire parler euh, partir dans l'exotique puisqu'on va partir en australie à la rencontre d'un oiseau, oh, fantastique. <rire> <rire> Écoute, et comme j'ai commencé la semaine dernière, est-ce que ça te dirait de, de démarrer cet épisode Eh bien, avec grand plaisir, euh, on va partir à la rencontre d'un oiseau australien très apprécié. Euh, malgré toutes les euh, petites bassesses qu'il est capable de faire, <laughs> euh, puisqu'il s'agit du cassican flûteur, Gymnorina euh, tibicen, ou tibiken je ne sais pas mm -hmm. le, comment ça se prononce, et euh, ce sont des oiseaux qui font environ 40 cm, le mâle et la femelle sont plutôt, euh, plutôt identiques, euh, et ce sont des oiseaux qu'on nomme Australian magpie en anglais, on suppose que lorsque les Européens sont arrivés au XVIe siècle, ils ont vu des oiseaux qui étaient noirs et blancs. Pour eux, ça leur évoquait la pie bavarde. Donc ils ont décidé oui. de, de l'appeler comme ça. Bien que ce soit deux oiseaux qui, morphologiquement, sont... Très 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 différent euh, de, de la pie bavarde. La période de reproduction, elle est entre août et janvier et elle est assez intéressante parce que c'est ça qui va nous intéresser, cette période de reproduction, puisque euh, les euh, Australiens et les Australiennes ont très souvent affaire à des oiseaux très belliqueux <laughs> lors de cette période. Euh, si bien que euh, les oiseaux font souvent la une des journaux pour euh, leur swooping. Mmh. Alors le swooping, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose... Que vous connaissez en ornithologie c'est ce qu'on appelle le houspillage chez nous c'est assez commun hein, chez les oiseaux il y a notamment les, les corvidés on parlait justement de, de, de corvidés il y, a, il y a quelques instants les corvidés lorsqu'on a des grands rapaces notamment des notamment des, des rapaces nocturnes comme des, des chouettes et des hiboux qui se posent dans un arbre et eh bien les corvidés vont houspiller cet oiseau euh, vont euh, mettre vont essayer de mettre en déroute euh, l'oiseau en piquant euh, sur lui principalement euh, <laughs> la tête c'est pas uniquement réservé qu'aux oiseaux c'est aussi réservé aux humains mmh. euh, puisque euh, lors euh, de la période de reproduction eh bien on a euh, ces cas qui sont euh, signalés généralement lorsque on parle d'attaque euh, de personnes via des oiseaux ce sont généralement euh, ces actions euh, de houspillage qui sont réalisées lors de la période de reproduction mais en Australie ça va beaucoup <laughs> plus loin avec le <laughs> cas en flûteur oui. euh, puisque euh, cet oiseau a la particularité de pour Suivre les cyclistes euh, oh, Quand les cyclistes non. Mais si, quand les cyclistes Passent euh, dans euh, le territoire D'un cassicant et eh bien euh, Ces cassicants poursuivent Le cycliste, jusqu'à <laughs> temps Que celui-ci, et eh bien, quitte Le territoire de l'oiseau D'accord, ah oui, quand même, oui, en pleine ville Ça coup... peut avoir des problèmes, quand même hein. Eh bien oui, justement, alors du coup, qu'est-ce qui est recommandé Si vous êtes cycliste euh, En Australie, et eh bien, es c'est déjà de quitter Votre vélo <laughs> Pourquoi Parce que euh, les oiseaux euh, vous attaqueront apparemment moins. Parce que, apparemment, la vitesse euh, est une notion que les cassicants flûteurs euh, prennent comme euh, agressive. Ok. Donc voilà. Euh, il faut, euh, comme tu l'as dit, porter un chapeau, porter des lunettes de soleil à l'arrière de la tête. Euh, ce sont des conseils ah, qui sont donnés... Euh, le vieux euh, truc sont donnés... Exactement. Portez un chapeau avec une paire d'yeux dessinée à l'arrière parce que les oiseaux n'aiment pas être regardés et vous avez moins de chances d'être houspillé si <laughs> euh, vous regardez euh, les euh, oiseaux. Euh, vous pouvez porter un casque de vélo, vous pouvez porter un casque de skateboard, un parapluie ouvert, mais attention, il ne faut pas l'agiter parce que ça peut être également euh, pris euh, pour un signe d'agressivité. Et il y a mais... une femme qui s'appelle Danielle, euh, qui est The Magpie Whisperer, qui est très connue en Australie. Pour vivre avec des caciquants euh, flûteurs, euh, qui euh, recommande également d'offrir à l'oiseau directement de la nourriture. Hein, euh, et après plusieurs fois que vous êtes passé à lui avoir donné de la nourriture, eh bien, l'oiseau comprend euh, que vous n'êtes pas euh, une menace et vous laisse tranquille. Euh, mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose qui est préconi préconisé pardon, ni par les scientifiques ni par le gouvernement, mais je trouvais quand même que cette remarque était intéressante, <laughs> euh, était intéressante à, 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 à signaler. D'accord. Alors. Les euh, cyclistes, comme je l'ai dit, c'est un véritable problème. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, lors des championnats du monde euh, de cyclisme en 2022, et eh bien, on passait en Australie et euh, eh bien, on est passé dans la ville australienne de Wollongong, euh, où un certain Remco Evan Powell, qui s'entraînait justement euh, et qui est quand même, qui était quand même champion du monde sur route 2022 et champion du monde contre la montre 2023, s'est également fait attaquer par par ces oiseaux. Il y a <laughs> des panneaux qui sont placé euh, lors de la période de reproduction qui avertissent les gens euh, de, de la possibilité eh bien, de se faire houspiller euh, par euh, ces oiseaux. Et ça peut mener à des drames, malheureusement. Mm -hmm. Alors pas directement, euh, les oiseaux ne vont pas tuer euh, des personnes, mais en 2019, on a un cycliste de 76 ans qui est décédé. Euh, il ne regardait pas où il allait, il s'est pris un, un poteau en pleine figure et malheureusement, oh, il est décédé sur le coup. Oh. Et en 2021, euh, on a un bébé de 5 mois qui est décédé euh, à oh, la suite du fait que... Ça sa maman euh, a chuté malencontreusement après avoir été houspillée par, oh euh, par, par l'oiseau. Donc ah, ça chute. peut mener malheureusement euh, à des cas euh, indirects euh, de, euh, de décès. Donc ce sont des choses qui sont prises extrêmement euh, au sérieux. Et ce sont des choses qui sont d'ailleurs relatées sur un site qui s'appelle magpiealert.com qui est un site qui ah, ressent... Oui, absolument. Tous les cas de houspillage euh, de personnes, donc qui ont été, euh, qui ont été eh bien maltraitées par, euh, par des casiquants, euh, jusqu'à même marquer aussi, et eh bien le nombre, de, euh, le nombre de personnes qui ont été blessées par des oiseaux. Généralement, les, les blessés par les oiseaux, ce sont juste des petites des petites coupures à l'arrière de la tête, rien de bien euh, rien de bien dramatique. La très 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 grande majorité du temps. Mais voilà, on a généralement sur l'année 2023, je crois qu'on était à 3500 d'ouspillage euh, mm -hmm. ce qui est quand même plutôt pas mal sauf que en réalité c'est pas tellement parce que euh, d'après euh, d'après euh, certaines euh, d'après certaines études que je n'ai pas réussi à retrouver d'après euh, Ben Ashton on a seulement euh, 10% de la population de Cassican qui réalise du houspillage aussi violemment que celui-ci donc, ah oui. c'est pas quelque chose qui est aussi répandu que ça. Je pensais euh, en, en, en étudiant le, le sujet que ce serait beaucoup plus répandu que ça. Et en fait, c'est pas totalement le, le cas. Mais alors, c'est dû à quoi ça Parce que et... est-ce qu'on sait euh, pourquoi il y en a qui sont aussi euh, agressifs et d'autres pas Eh bien, malheureusement, non, on le sait pas. On, on ne sait pas. Il y a assez peu d'études qui ont été réalisées. Euh, et c'est là où on rentre en ligne de compte sur le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, parce que ça ah. c'était le préambule. Attention. Euh, parce que <laughs> la vérité, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les personnes sont ciblées par les casicans. On ne sait pas pourquoi... Euh, alors, on sait que c'est par rapport à la période de reproduction, on sait que c'est par rapport à la nidification, on mm -hmm. sait que c'est par rapport justement à la protection des jeunes, mais on ne sait pas pourquoi euh, les personnes sont visées, tel type de personnes sont visées. Et là, rentre en ligne de compte, eh bien, Emma... Glenfield. Emma Glenfield, elle a 8 ans. Elle a 8 ans et elle remarque euh, eh bien, dans son école qu'il y a euh, un, un cassican flûteur, un mâle. D'ailleurs, c'est que des mâles qui houspillent. Les femelles n'houspillent pas. C'est euh, euh, dire, euh, un lieu commun qui est assez répandu en Australie, mais c'est uniquement les mâles qui houspillent euh, les personnes. Euh, eh bien, Emma a remarqué qu'il euh, y avait un oiseau qui houspillait euh, les, les gens. Et euh, elle a décidé de, de réfléchir un petit peu à la question de savoir pourquoi, euh, les, gens étaient, euh, pourquoi les gens étaient houspillés. Parce qu'elle avait remarqué que le houspillage ne se faisait pas euh, forcément de la même manière euh, selon les différentes personnes. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait deux choses. Elle a d'abord pris euh, une carte qu'elle a réalisée. Mmh. Cette carte, elle avait pour but de représenter l'espace géographique euh, de l'école, mais aussi euh, du euh, du comment, du territoire du cassican flûteur, un cassican flûteur qui se nomme Monsieur Scoupolot. Voilà, mm -hmm. Monsieur Scoupolot a, a <laughs> été donc le sujet de cette expérience. Donc le cassican a un territoire ici d'environ 345 mètres en termes de diamètre. Ce, ouais. qui est plutôt, ce qui est plutôt pas mal. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cassican n'attaque pas euh, d'un coup. Il prévient d'abord avant d'attaquer. Il émet un cri caractéristique hein, euh, qui, en gros, est euh, celui de euh, ⁇ Va-t'en de mon territoire, tu n'as rien à faire ici ⁇ Et il faut savoir que ce cri qui est émis, est émis en dehors de son territoire. Ce qui est une information mmh. assez intéressante, et moi je ne pensais pas que ce serait le cas. Mais c'est pas tant ça qui va nous intéresser, ce qui va nous intéresser c'est par la suite ce qu'elle a décidé de faire puisqu'elle a décidé tout simplement de réaliser un sondage. Elle a réalisé un sondage, elle a posé plusieurs questions. Elle a demandé aux gens quel poids ils faisaient, s'ils appréciaient les oiseaux, ouais. euh, quelles étaient la nature de leurs cheveux. Toutes ces questions-là qui ont été soumises par la suite eh bien dans un sondage qui a d'abord été distribué à proximité de l'école où elle a recueilli 150 euh, euh, cas environ. Donc euh, c'est plutôt pas mal. Et puis par la suite, euh, sa maman a décidé de le mettre en ligne grâce notamment à un QR code. Et là, Emma a recueilli la bagatelle de 31 422 réponses. <laughs> ah oui Et pour des scientifiques, euh, 3, 31 422 réponses, c'est beaucoup. <laughs> Alors qu'est-ce qui s'est passé du coup Parce que ce qu'elle nous enseigne cette, euh, cette étude d'Emma, cette courte étude d'Emma, eh bien, c'est plusieurs choses. Mmh. Déjà de savoir si les gens apprécient euh, l'oiseau, puisque le Casiconflûteur est un des oiseaux les plus appréciés d'Australie. Mmh. C'est euh, d'ailleurs l'oiseau qui a été élu emblème national en 2017. Oiseau national, pardon, en 2017. Et il s'est avéré que même si on est euh, sur eh bien euh, une proportion plus importante de gens qui détestent l'oiseau lorsqu'ils se sont fait ou spillés, eh bien, et, et surtout blessés. On remarque que la grande majorité d'entre eux apprécie beaucoup l'oiseau. C'est un oiseau qui est mmh. beaucoup apprécié pour sa sympathie, euh, pour euh, les histoires qu'il peut rencontrer. Il y a beaucoup d'histoires, notamment l'histoire de Bloom, qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode dans le courrier de la Sterne parce que c'est une histoire assez fascinante à rencontrer, à raconter. Je crois qu'il y avait <laughs> eu d'ailleurs un documentaire sur Netflix ou sur Amazon, si mes souvenirs sont bons, oh oui, euh, concernant euh, ouais, mais concernant cet oiseau. Euh, et donc. On a remarqué également, et là elle a fait une autre question, de savoir si euh, elle avait été, si les personnes euh, étaient des hommes ou des femmes et s'ils avaient été houspillés. Donc houspillés euh, l'année dernière, houspillés euh, plus tard que l'année dernière ou jamais houspillés, et on se rend compte que la proportion est un tout petit peu plus importante euh, pour, euh, les, euh, pour les hommes que pour les femmes. Ça ne mmh. se joue pas à grand chose, ça se joue à quelques pourcentages, euh, parce que oui, euh, l'étude est réalisée en pourcentage. Comment elle a fait elle a, pris une, euh, elle a pris des Lego, elle a fait euh, des données assez simples, et chaque euh, petite brique de Lego représentait 1%. Et donc on sait, eh bien, avec le nombre de briques de Lego, que par exemple, euh, pour euh, euh, le fait d'avoir été houspillé par eh bien, un cassiquant l'année dernière pour les euh, hommes, on a 16%. D'hommes qui ont été houspillés contre euh, 14% de femmes. 13% de femmes, pardon. De Ce qui est quand même assez, ah oui. euh, assez intéressant. Ben oui. Mais l'étude la plus intéressante, c'est par rapport au hairstyle. C'est par rapport à la coupe de cheveux. Et là, on a des résultats <laughs> intéressants. Parce qu'il s'avère que les personnes qui possèdent euh, les, des longs cheveux sont des personnes qui sont, avec euh, des personnes qui ont aussi une, euh, une coupe assez, on va dire, assez classique, euh, euh, donc euh, des cheveux mi-longs, euh, sont les personnes qui sont généralement les moins houspillées. Par contre, hein, on s'est rendu compte que les personnes qui n'avaient pas de cheveux ou qui étaient chauves sur le haut du crâne <laughs> étaient les plus houspillées. Et on pourrait même rajouter ceux qui ont des cheveux courts, qui eux font partie effectivement de ceux qui sont euh, les plus houspillés, euh, puisque je crois que c'est ouais, 72% de ces personnes-là qui ont soit été houspillées l'année dernière, soit été houspillées euh, plus tard que l'année dernière. Donc oh, grâce à ces résultats, on a une certaine information sur quelles euh, personnes... Les casicans sont susceptibles d'attaquer et on se rend compte que bah, les personnes qui n'ont pas de cheveux sont plus susceptibles d'être euh, attaquées euh, ou des personnes qui ont des cheveux plutôt courts sont plus susceptibles d'être attaquées que euh, des personnes qui ont des cheveux longs. Et ça, c'est donc Emma Glensfield qui a réalisé cette étude. Elle a 8 ans. C'est une étude qui devrait normalement être reprise euh, d'ici euh, quelques euh, mois, euh, puisqu'il euh, puisque y a euh, maintenant tout un travail euh, de mise en place scientifique qui va être réalisé. Et euh, on aura peut-être l'occasion de reparler euh, de cette étude et peut-être d'autres choses qui ont été réalisées mmh. par la suite. Voilà et pour bon. cette petite étude sur le casican flûteur. C'est bien, moi, moi j'ai aucun risque avec les classiques en flûteur, du coup, c'est bon. <laughs> tu as un tout petit peu moins de risque si tu as une coupe, on va dire, plutôt classique, plutôt un carré ou ce genre de, de choses-là. voilà. D'accord. C'est bien, mais du coup, le fait de mettre un casque comme recommandé par, par les autorités compétentes, j'ai envie de dire, tout à fait... Tout à fait une très bonne idée du coup, parce que dans ah oui, ces cas-là, tu vois pas le haut du crâne. Absolument, oui, c Et puis ça évite euh, de se faire blesser, bien évidemment, euh, par euh, par, par, euh, par l'oiseau. Il euh, y a encore beaucoup de choses à voir sur, euh, sur, le, comment dire, sur euh, le houspillage du Cassican. Et euh, notamment un truc euh, que je voulais savoir, c'est d'où vient ce houspillage? Euh, quand est-ce que ça a commencé? Et pour l'instant, je n'ai trouvé aucun registre historique. Euh, qui permet de remonter cette information. Euh, donc, euh, je suppose que c'est quand même quelque chose de plutôt récent en réalité, mmh. euh, mais je ne saurais, je ne saurais dire comment euh, cette chose a, a commencé. Est-ce que il euh, y a eu une transmission culturelle dans la population, mmh. peut-être euh, Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas d'information que que l'on peut euh, que l'on peut trouver sur. Euh... D'accord. Sur, ce, sur cet oiseau et sur ce, ce comportement. Est-ce qui serait intéressant de voir parce que du coup, je pense que c'est bah, visiblement c'est très ciblé euh, sur les humains, euh, clairement. Donc, euh, est-ce que les en enfluteurs qui habitent en ville font plus de houppiages que les casques enfluteurs qui habitent à la campagne et qui du coup Ça, voient serait moins d'humains Super intéressant. Ça, voilà. Serait super Ou est-ce que c'est l'inverse peut-être parce que du coup, ceux qui n'ont pas trop l'habitude de voir des humains, bah, ils attaquent. <laughs> Voilà, et puis ceux qui ont plus l'habitude d'en voir régulièrement sont un peu désensibilisés et du coup ils attaquent moins. Tu vois, ce, serait... Effectivement. ce serait une idée. Bon après, euh, voilà, je dis ça comme ça, euh, ça pourrait être intéressant. Tu as totalement raison, et euh, peut-être que euh, des études sont, sont déjà en cours euh, là-dessus. Mais oui, assez peu finalement d'études sur le, le houspillage du, du cassican euh, Je m'attendais à trouver beaucoup plus de, de choses. Euh, alors après, il y a peut-être des, des études qui sont euh, uniquement euh, comment dire, euh, accessibles en université, mais, euh, mais je m'attendais quand même à trouver beaucoup plus d'informations sur le houspillage que, que, juste, euh, que juste les informations que j'ai eu l'occasion de, de, de trouver. Euh tout au long de, de, cette, de, cette petite, de cette petite découverte même Birds of a World habituellement qui est assez euh, on va dire locace euh, sur de tels sujets ouais. dans la section breeding et eh ben il y a rien du tout <laughs> ben, okay. j'ai été euh, j'ai été hyper surpris euh, mmh, euh... parce que d'habitude c'est un c'est un site euh, qui est euh, extrêmement bien fourni en termes d'informations. mais mmh. là euh, lui aussi faisait le mort pour le coup Bon. Après, c'est pas les seuls oiseaux à avoir ce genre de comportement en période Absolument. de reproduction. Je sais qu'on a pas mal des châssiers qui le font, notamment ceux qui mmh. nichent au sol, qui sont toujours assez, euh, euh, comment dire, assez euh, inquiets euh, quand mmh. ils voient des humains débarquer à côté. C'est normal. Euh, T'as pas envie que qu'on marche sur tes œufs quand tu les as pondus et qu'ils sont là dans une petite cuvette dans le sol. C'est normal. Il y a des cas de rapaces aussi. Je crois que c'était à Fontainebleau il y a quelques années où c'était <laughs> euh, une bus variable, je crois, qui attaquait les, les passants parce que justement ils passaient trop près de, ils passaient trop près du nid. Ouais. Il y a aussi euh... les, les grands ducs qui ont tendance à nicher au sol aussi, notamment les grands ducs d'Europe qui peuvent tout à fait euh, attaquer des gens si jamais ils mmh. trouvent que tu es un peu trop proche. Une vidéo d'un carouge à épaulettes aussi. Il y a plein de cas comme ça, oui. euh, mais d'un carrouge à épaulettes. Donc là, on est au Canada, je crois. Euh, qui attaquait les, les gens qui venaient euh, dans le quartier euh, le quartier financier. L'oiseau avait fait son <laughs> lit sur un quartier financier à la tête. Et, euh, et il attaquait il attaquait tous les, tous les banquiers qui passaient par là quoi. <rire> 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 Est-ce qu'ils ont déduit une taxe du coup euh, Ah, j'en en... sais rien du tout. Je ne sais pas du tout. C'est euh, c'est assez intéressant. Euh, on en avait parlé avec, euh, il me semble, Périne. Oui, on en avait parlé avec Périne, lorsqu'on mm -hmm. avait parlé des corneilles. Oui. Euh, C'était euh, le fait de mettre en, en prison certaines corneilles entre guillemets et de les relâcher pour éviter de pour éviter qu'elles soient trop agressives. Et visiblement, ça marchait. Alors, est-ce que ça marcherait sur des casiques Ça, c'est une. Ah. Ça, c'est une bonne question aussi. Il faudrait... faudrait voir. Qui sait, qui sait. Qui sait. Mmh. Bon, en tout cas, euh, super article. Et puis, cette petite a, a un sacré avenir devant elle. Hein. Ah, <laughs> c'est un très, très bon, très, très bon article que, que, vous pouvez, euh, que vous pouvez lire. Alors, tout avait été publié sur Reddit, mais on vous filera deux sites qui combinent les deux informations euh, pour, euh, pour, comment dire, pour... Euh... Euh, pour, comment, pour euh, étayer un petit peu tout ça euh, d'ailleurs je, je rajoute un, un, un truc qui n'est pas listé en termes de graphique mais les, les personnes qui euh, ont visiblement un poids excessif sont plus à même d'être ciblées par les oiseaux Voilà. Euh, peut-être qu'ils paraissent Donc, plus euh, grands plus gros, plus larges, plus inquiétants hein. qui hum. sait effectivement Y aura pas de décès à cause des poules. Pourquoi on parle de poules Alors, la dernière fois, on avait oui. appris à parler poules. On avait appris à apprendre. Oui. À apprendre. On à avait apprendre appris le poules, terme oui. j'ai faim et le terme je suis pas contente, je crois. Juste comme ça. <laughs> mais il y a, oui, des, des choses comme ça, effectivement. On avait appris à. Pas à parler poules, mais à identifier plus ou moins certains de leurs. Certains de, de leurs petites euh, leur petite mimiques. Mais là, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'origine des poules, parce qu'après tout, euh, d'où ah, ça vient Parce que oui. vous n'êtes pas sans savoir évidemment que euh, le, le poulet ou la poule hein, euh, est aujourd'hui euh, l'une des espèces les plus, euh, les plus répandues sur le globe avec quand même des euh, milliards d'individus tout autour du globe, grâce à nous principalement, parce qu'évidemment, c'est nous qui avons répandu euh, ce poulet euh, domestique tout autour du globe. Évidemment, c'est une source de nourriture, euh, une source de nourriture non négligeable, et pour euh, beaucoup de communautés, alors que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, n'importe où dans le monde, notamment chez les communautés les plus pauvres euh, dans le monde, c'est généralement le poulet qui va servir de source de protéines principales en plus du poisson en fonction de là où vous habitez évidemment. Okay. mais plutôt que des choses comme le bœuf par exemple ou le mouton qui sont quand même beaucoup beaucoup plus chers et beaucoup plus compliqués euh, qui demandent beaucoup plus d'efforts pour être aux produits qui sont généralement des viandes considérées comme des viandes euh, plus riches euh, et ben le poulet étant beaucoup plus simple par son élevage et par sa facilité <laughs> finalement à être nourri et à se contenter de pas grand-chose ben ça va être la source de protéines principale de beaucoup, beaucoup de régimes alimentaires, notamment chez les populations les plus pauvres. Donc, ce poulet, qui a quand même du coup un impact non négligeable sur euh, notre vie, sur notre économie, sur euh, tout ce qu'on fait euh, en règle générale euh, dans, dans notre vie de tous les jours, et eh bien d'où est-ce qu'il vient et ça c'était la grosse question que se sont posés euh, les auteurs de cette étude qui est partie dans qui est paru euh, dans Nature Communication. c'est en open access, on vous mettra les liens dans la description évidemment et c'est paru le 2 avril dernier. Et donc Nature c'est quand même un journal qui est assez bien connu et pour que cette étude soit publiée là-dedans, c'est que il y avait quand même un il y a certain des choses niveau intéressant à dire. Voilà. <laughs> bon, c'est Nature Communication, c'est pas exactement Nature mais Bon, on n'est quand même pas très loin. Et alors, dans cette étude, qu'est-ce qu'on a fait ben, On s'est intéressé donc, à l'origine de la poule euh, du côté asiatique. Alors, okay. l'origine de, de, de la poule domestiquée... C'est encore un sujet de controverse parce que on ne sait pas exactement quand est-ce que la domestication a commencé. Alors on sait que ça a commencé du côté de l'Asie. Quelque part par là, il y a encore des espèces aujourd'hui qui sont euh, sauvages, qui habitent là-bas et dont on sait qu'elles sont à l'origine de nos races modernes de poules, notamment le coq doré. Galus galus, ah. qui euh, voilà, qui habite euh, dans ces, enfin, qui, habite, qui est une espèce qui réside régulièrement euh, dans cette, dans le sud-est asiatique, avec cinq sous-espèces quand même euh, mine de rien, euh, qui sont donc réparties euh, sur Bali, Java, au sud du Vietnam, au nord du Vietnam, au nord de l'Inde et pour la dernière dans la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, etc. Et donc euh, cet animal domestique est originaire d'une de ces sous-espèces, ou peut-être de toutes les sous-espèces à la fois, on ne sait pas encore très bien, mais en tout cas ça vient de cette espèce Gallus gallus, le coq euh, doré. Ou coq banquiva, si vous voulez, il y a plusieurs noms évidemment, hein, <laughs> comme d'habitude, si c'était simple, on le saurait. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas la seule chose euh, qu'il y a dans son ADN. On sait aussi que ce poulet euh, domestique est en fait hybridé avec d'autres espèces sauvages de la région, notamment le coq de Sonerat, coq de Sonerat qui est originaire euh, de, du sud de l'Inde, il me semble, et qui euh, d'ailleurs est un peu euh, pas encore exactement en voie de disparition, mais euh, pas très loin. Mmh. Voilà. Donc euh, ces espèces étant à la base euh, de nos poules actuelles, on a supposé, et avec raison, que donc la poule telle qu'on la connaît aujourd'hui vient originellement du sud-est asiatique. Sauf que la question qu'on se posait après, c'est bah, à quelle période est-ce que cet animal a été domestiqué et quand est-ce que cet animal s'est réparti sur tout le globe? Parce que on avait euh, à une certaine période ce qu'on appelait la route de la soie, que vous connaissez certainement, par lesquelles ont transité beaucoup d'épices, euh, la soie évidemment, le riz, mais aussi des choses bah, comme des animaux, hein, comme le, le, le coq ou la poule, et qui du coup ont transité par cette route de la soie et qui sont arrivés jusqu'en Europe. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est exactement vers quelle période est-ce que ça s'est passé. Alors il y en a qui disent que ça s'est passé euh, il y a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, euh, il y en a qui disent que c'est un peu après, il y en a qui disent que la domestication a d'abord eu lieu donc, en Asie du Sud-Est et ensuite bien après seulement c'est arrivé en Europe. Bref, il y a un peu de tout. Et euh, le problème, c'est qu'on n'a pas des, des, des choses très très claires pour savoir comment ça s'est passé. On a des sites archéologiques ici et là, on a des eaux de temps en temps ici et là, sauf que... Euh, un os de, de poulet, euh, c'est difficile à, à identifier déjà, parce que rien ne ressemble à un os d'oiseau comme un autre os d'oiseau, mmh. pour commencer. Euh, pour trouver de l'ADN ancien, c'est pas toujours simple non plus. Et du coup, euh, souvent, c'est des choses qui sont. C'est des, des fragments qui sont difficilement identifiables. On ne sait pas si l'animal était vraiment domestiqué ou si l'animal était utilisé comme. Euh, euh, comment dire, un animal à qui on avouait un culte, par exemple, parce qu'il y a des animaux qui ont été ah, oui. très, très présents dans des rituels aussi, on le sait, euh, notamment euh, du côté de, de l'Égypte antique, du côté euh, de, de, simplement des Romains, on avait des animaux qui étaient objets de vénération en quelque sorte, ou qui servaient lors de rituels, et qui n'étaient pas forcément domestiqués, c'était des animaux qui étaient récupérés et qui étaient ensuite utilisés pour ce genre de choses. Mmh. Donc euh, on avait beaucoup de questions à ce sujet, et c'était difficile d'y répondre. Alors, on sait que vers donc moins 3000 euh, avant notre ère, on a, on a plus ou moins des restes. Déjà en Asie du Sud-Est, où on commence à voir, eh ben, des petites statuettes de coques euh, dans les, dans les sites archéologiques, les sites de fouilles. Où on commence à voir des os qui appartiennent clairement à, à du poulet. Et puis on commence à en voir de plus en plus, de plus en plus de ces os de poulet. Sauf que la question qui se pose, c'est, est-ce que c'est des animaux qui étaient juste chassés? ou est-ce que c'est des animaux qui étaient effectivement élevés mmh. Et donc cette euh, nouvelle équipe euh, a mis sur pied un nouveau protocole pour savoir si effectivement ces espèces étaient domestiquées déjà à l'époque ou pas. Et ce protocole est basé sur des œufs. Dans la nature, le, le, le coq ou les espèces euh, sauvages de coq n'ont qu'une seule saison de reproduction. Et cette saison de reproduction est généralement au printemps, comme pour toutes les espèces d'oiseaux. Et il euh, y a une ou deux pontes maximum à cette période dans l'année, et puis c'est tout. Le reste de l'année, le coq ne pond pas d'œufs. Or, vous savez très bien, surtout si vous avez des poules à la maison, que les poules, elles ne s'arrêtent pas pendant l'année. <laughs> elles continuent de pondre des œufs, à moins qu'il n'y ait plus de nourriture, peut-être qu'il y ait un problème de famille, etc. Mais sinon, elles vont pondre des œufs toute l'année, sans discontinuer. Alors, comment est-ce qu'on en est passé d'une espèce qui pond des œufs une fois par an, à une espèce qui va pondre des œufs toute l'année? Et eh ben par sélection tout simplement. Comme on a sélectionné okay. beaucoup d'autres espèces, euh, que soit le mouton pour sa laine, euh, que soit la vache pour plein d'autres trucs, ou alors simplement le chien euh, à partir du loup comme animal domestique, et eh ben on a sélectionné des espèces sur certains caractères, et donc pour euh, la poule, on l'a sélectionné sur sa capacité à produire des œufs, et à produire des œufs, non seulement pendant la période de reproduction, mais aussi pendant tout le reste de l'année. Et comment on sait ça eh ben, ces chercheurs ont étudié une douzaine de sites archéologiques qui étaient sur le passage de cette route de la soie à l'époque. Et dans ces sites archéologiques, ils ont regardé s'il y avait une accumulation de coquilles d'œufs et à quelle période de l'année et s'il y en avait beaucoup, beaucoup ou très peu finalement. Mmh. Donc est-ce que l'œuf bah, faisait partie du régime alimentaire normal ou est-ce que l'œuf était juste quelque chose qu'on pouvait avoir peut-être de temps en temps <laughs> pendant l'année et que il y en avait pas tant que ça donc évidemment ils ont commencé à compter les fragments de, de coquilles d'œufs ils ont vérifié aussi euh, avec des analyses et notamment une analyse intéressante parce que c'est une analyse non basée sur l'ADN mais basée sur les protéines de l'œuf cette fois-ci permet donc d'avoir des analyses un peu plus rapides que celles des analyses ADN à faire, et plus simples aussi, grâce à un spectromètre de masse, donc c'est quelque chose qui se fait assez assez rapidement, donc qui leur a permis de, de faire cette étude assez vite. Donc ils ont développé cette technique, un peu plus pour ça en tout cas, sur les coquilles d'œufs, ce qui, ce qui est aussi un des sujets de l'article, euh, mais surtout ils ont pu constater du coup, l'accumulation de coquilles d'œufs dans ces sites est surtout une accumulation de plus en plus importante de coquilles d'œufs dans les, dans les sites archéologiques au fur et à mesure qu'on avançait en âge. C'est-à-dire okay. que. Eh oui C'est-à-dire que les premiers sites qui dataient de moins 400 euh, avant notre ère, finalement il y avait quelques coquilles d'œufs mais il n'y en avait pas tant que ça, et puis petit à petit, quand on est monté euh, en âge et ils sont arrivés, le dernier site date des années euh, 1220, il me semble jusqu'à cette période-là et ben là tout d'un coup on voit une accumulation de coquilles d'œufs vraiment supérieure à ce qu'il y avait avant qui indique clairement que l'œuf faisait partie du régime alimentaire normal euh, des hommes et des femmes qui vivaient là à l'époque mmh. et donc grâce à ça en fait on a une, une sorte de vue un, un, petit, un petit coup d'œil à l'intérieur de comment est-ce que le poulet a été domestiqué et surtout pourquoi est-ce qu'il a été domestiqué il a été domestiqué bah, pour sa chair, évidemment, certainement. Il a certainement aussi été domestiqué pour des questions de rituels, comme on en avait en mm -hmm. Égypte antique ou comme on en avait chez les Romains. Mais il a aussi et surtout été domestiqué pour sa capacité à se reproduire très 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 fréquemment et à pondre des œufs qu'on a inclus dans notre régime alimentaire. Incroyable. <laughs> voilà incroyable alors moi j'ai quand même une petite question euh, sur le fait qu'il n'y ait pas trop d'accumulation de donc tu m'as dit moins 600 c'est ça moins de 400, 400 oui pour moins les 400 euh, est-ce qu'on peut supposer que c'est du commerce qui est réalisé que l'œuf devient et finalement quelque chose de rare au départ est-ce que c'est est- ce que c'est -ce aussi une théorie qu'on peut, qu peut soutenir et, et que l'œuf est devenu enfin et euh, à ce moment là un Produit extrêmement rare et ça peut expliquer pour le fait, pour le coup, pourquoi on n'en a pas on en a pas beaucoup. Ou la poule en l'occurrence. Bah, c'est possible parce que, surtout, s'il si ne pondait qu'à une certaine période de l'année, euh, enfin, imagine que du coup il n'y avait pas beaucoup d'œufs. Et surtout, l'œuf, c'est un produit qui est difficilement conservable parce que euh, mmh. si tu ne le, le gardes pas dans les bonnes conditions, bah, soit il se craque et il casse, soit il n'est plus bon à manger. Mmh. Donc tu ne peux pas trop les transporter, je pense. Donc ils, ont, ils sont partis, à mon avis, du fait que les œufs n'étaient pas spécialement transportables. Donc ce qu'il y avait sur site, c'était soit des choses qui étaient en proximité immédiate du site qui avaient été récupérées d'une manière ou d'une autre, ou alors des choses qui étaient arrivées sur le site même. Donc une reproduction des animaux qui étaient déjà sur place. Où sont les sites euh, Alors, euh, tout le long de la route de la soie, euh, okay. il faut que je regarde exactement, mais tu as, euh, évidemment, je crois que c'est dans la publication, le ils avaient expliqué exactement Jusqu'en Iran, du coup Oui, 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 exactement. Okay. Voilà. Donc, c'est des, des sites qui étaient plus ou moins des, des villages à l'époque, hein, vu que, évidemment, sur, euh, sur toute cette route, on avait bah, non seulement les caravanes qui faisaient le voyage, mais on avait aussi des lieux qui servaient au passage de ces caravanes, qui étaient des lieux de commerce, évidemment, mais aussi des endroits où les gens, bah, avaient mis des villages simplement parce que c'était bien pratique de vivre ici avec tout le commerce qui se passait autour. Absolument. Donc voilà. Donc c'est des sites archéologiques qui, déjà en eux-mêmes, sont très intéressants, mais qui, grâce à ce genre d'études, peuvent nous en dire encore plus sur la manière dont ces gens vivaient à l'époque. Ah, c'est fantastique. Mais du coup, moi j'ai une question. Mm -hmm. Les pigeons qu'on voit aujourd'hui se reproduire, notamment dans les villes, mm -hmm. on pourrait expliquer euh, ceci de la même façon que ce qu'on a fait pour les poules, à savoir de la sélection pour que ces oiseaux puissent se reproduire tout le temps ou est-ce que c'est un autre phénomène Non, je pense que c'est un autre phénomène parce que okay. notamment pour le pigeon, tu, tu, le pigeon pour l'instant ne se reproduit pas toute l'année. Il euh, n'y okay. a qu'un un intervalle très spécifique, il n'y a qu'une période de reproduction justement. <laughs> Donc pendant, pendant le printemps et début de l'été qu'il va se reproduire, après ça il se reproduit plus. Donc tu n'as pas une accumulation de coquilles d'œufs comme tu aurais euh, s'il y avait vraiment une production intensive euh, d'œufs. Parce que moi, du coup, je parle bien du pigeon biset parce que euh, dans, dans ma ville, j'ai l'occasion de voir de la nidification, ne serait-ce qu'au mois de novembre ou au mois de décembre, ce qui est très <laughs> inhabituel. Oui. Euh, donc, je me pose la question. Et comme les pigeons étaient quand même des oiseaux qui étaient extrêmement importants euh, en France, hein, on avait les pigeonniers qui étaient. Euh, Extrêmement, euh, extrêmement important et le pigeon était un, un, un signe d'une classe sociale extrêmement élevée. Je me pose la question de savoir si on a fait aussi de la sélection comme ce qu'on a pu faire avec les poules. Euh, oh, on a euh, certainement fait de la période. sélection, évidemment, euh, vu qu'il c'est un animal qui a été domestiqué pendant un temps, qu'il mmh. est toujours d'ailleurs et qui du coup a été sélectionné tu as plusieurs races de pigeons d'ailleurs euh, qui servent à la fois à la course ou au display tout simplement avec euh, ces, ces pigeons avec des fois des, des plumes assez extravagantes hein, ou alors les pigeons qui font cette petite volte dans les airs, les culbutants euh, c'est des animaux qui, sont, qui ont été sélectionnés spécialement donc c'est des animaux qui sont domestiques c'est les, les pigeons qui font des backflips c'est ça c'est ça, les culbutants ah je savais pas <laughs> on sait que c'est un truc que tous les pigeons faisaient non 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 il y a, il y a une race okay. spéciale qui a, été, euh, voilà, qui a été sélectionnée qui a été domestiquée euh... pour faire des 360 ouais exactement des okay, <laughs> <je> peux... <Enfin, rire> trucs géniaux moi je trouve <laughs> chez les oiseaux il y a des trucs trop bien <laughs> hein. j'espère qu'ils feront ça dans la nature maintenant ça... ah, pour l'instant ça c'est de la captivité ah, mais je pense que là la, 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 comment dire, la reproduction est assurée là, si ils maîtrisent mm. le backflip <laughs> Comment la femelle ne pourrait pas succomber à cette à cette figure incroyable oh, Mais oui, <laughs> mais exactement. On attend quand même la reproduction dans les airs, comme le font les, les aigles en se tenant par les ah, serres. Serait... très 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 belle reproduction voilà. des rapaces. Hein, C'est mm -hmm. assez, euh, assez dingue. Les poursuites des rapaces sont, sont folles aussi. Et oui. Euh, j'attends euh... le jour où un pigeon fera pareil parce que là à la rigueur je, <laughs> je commencerai à m'y intéresser un peu. Allez ah, les miens galèrent hein. dans mon parc. Ah, généralement oui le mâle il tourne autour de, enfin, il, il tourne il tourne sur lui. Voilà, il fait, il fait quelques roucoulements, mais les femelles ne sont pas intéressées. Ah, mais Et pas à chaque suffisamment... fois, c'est la déception qui s'empare de lui. Ah, Le pauvre, c'est triste. Il a qu'à maîtriser le backflip. Ouais. Ouais. Bah, tu peux lui donner des cours si tu veux, hein, ou tu l'amènes à ou deux culbutants pour qu'il apprenne comment on fait, peut-être hein Lui montre une vidéo Je vais lui montrer une vidéo, je vais la poser sur le banc. Je vais la poser devant les graines là. Et oui, mais oui, mais tu sais que ça a marché pour les pandas. C'est comme ça que on a encouragé les pandas géants en captivité à se reproduire parce qu'ils trouvaient non. que, mais si, mais ils trouvaient que ça marchait pas très bien. Oh, et du coup, incroyable. non, je rigole pas. Et du ah, coup, incroyable. dans certains euh, zoos, ils avaient euh, mis des caméras euh, et notamment des, des vidéos qui passaient dans l'enclos le, euh, dans la night room, donc c'est euh, la partie intérieure de de l'enclos où euh, ils montraient euh, des pandas en pleine session de reproduction. <laughs> Et ça marchait. On ne sait pas si ça a marché ou quoi, mais en tout cas, il euh, y a eu de la repro. Voilà. On n'arrête pas le progrès avec la technologie. -ce pas <laughs> bon, bah, c'est sur ces petites informations que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Sophie, euh, d'avoir participé à cet épisode, de nous avoir parlé de la domestication de la poule. Est-ce mm -hmm. que tu veux rajouter quelque chose Non, je crois qu'on est bon. Merci à toi pour aujourd'hui. Très belle et épisode. Euh, on te retrouve bien évidemment comme euh, on l'a dit sur Twitter en tout début d'émission sur euh, Instagram également, toujours leplumeux, euh, mm -hmm. sur euh, Twitch euh, pour peut-être nous parler, nous présenter des magnifiques oiseaux de ton jardin. Euh, mm -hmm. Et puis on te retrouve avec Julien sur un tract de science chaîne qu'on retrouve sur YouTube. Et nous de notre côté, chers auditeurs, chères auditrices, et eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Vous pouvez voir les précédents bien sûr euh, sur YouTube. YouTube sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast. Merci à tous d'être aussi nombreuses et nombreux à écouter et à partager le courrier de la Sterne à la semaine prochaine. À plus.